un appel de nos structures, la santé, le commerce, d'autres secteurs d'activité, à se mobiliser aujourd'hui devant l'ARS pour protester contre toutes ces obligations, ces mesures qui sont mises en place et qui portent atteinte à la liberté des salariés dans nos entreprises aujourd'hui. La vaccination, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre souci, la vaccination. La position de notre organisation, elle est claire. Chacun est libre de se faire vacciner ou pas. Nous, on est contre le pass sanitaire, on est contre ces obligations aujourd'hui qui sont une menace pour le droit du travail. Et aujourd'hui, le secteur santé, par exemple, aujourd'hui, qui sont mobilisés devant l'ARS aujourd'hui pour défendre leur contrat de travail. S'ils ne sont pas vaccinés, par exemple, d'ici le 15 septembre, ils seront mis à pied, voire un licenciement par la suite. Il faut l'emploi, arrêtons de supprimer les lits, il faut des bonnes conditions de travail. Aujourd'hui, les personnels de santé ne peuvent même pas partir en vacances. Des congés annuels sont annulés, les pauses, le repos sont annulés au service, pour rendre service aux citoyens. Nous, on dit non. On est contre cette loi de passe sanitaire qui interdit, qui prive les libertés des gens à la maison. Les contrats de travail des salariés aujourd'hui sont menacés, voire même sanctionnés dans nos entreprises. Aujourd'hui, on a fait part au préfet, on a mis tout sur la table. C'est à lui aujourd'hui d'apporter des réponses. J'ai demandé au préfet de réunir des instances, des commissions paritaires dans des branches professionnelles pour pouvoir discuter de tout ça.